Scène de ménage, un nouveau couple fait son entrée dans la série. Depuis 2009, les téléspectateurs de M6 suivent les aventures quotidiennes des personnages de la série à succès. Scène de ménage. Le programme a rendu célèbre des nombreux acteurs tels que Gérard Hernandez et Marion Guême, qui jouent Raymond et Huguette, ou encore Frédéric Bourali et Valérie Kersanti qui interprètent José et Liliane. Devenus des visages incontournables du petit écran, ces comédiens ont vu les rejoindre nouveaux personnages au gré des années. C'est ainsi qu'Anne-Elisabeth Blateau et David Morat deviennent Emma et Fabien. Amélie Tasse et Grégoire Bonnet se glissent dans la peau de Camille et Philippe. Plus récemment, c'est Claire Schust et Vinnie Dargo qui portent à l'écran les histoires de Leslie et Léo. S'il n'y a jamais eu de départ de couple à part celui de Cédric et Marion, incarné par Lou Denis et Lyon et Audrey Lamy. Les scénaristes semblent penser qu'il y a toujours de la place pour de nouveaux personnages. Nos confrères de Télé Loisirs ont en effet annoncé qu'un nouveau couple allait rejoindre la pléiade de personnages dans la série Scène de ménage. En janvier 2023, à la fin du premier mois de l'année, Fanny Cottençon et Didier Benureau rejoignent le casting. Ils joueront Christine, une sexagénaire qui aspire à plus de liberté et son compagnon ouvrier à la retraite qui a le défaut d'être très maladroit. Qu'est-ce que Gilbert peut être à abruti, et moi, ça m'amuse tellement. Christine est plus délicate. Plus bobo. Lui ne comprend pas tout, mais il est assez touchant. Ce personnage m'a beaucoup parlé. Ça a été assez facile de m'en imprégner, a expliqué Didier Benureau. Pour Fanny Cottençon, rentrer dans la peau de Christine a été un peu plus long, cela s'est fait au fil du temps. L'idée de base me plaisait. J'aime la fantaisie de Christine. Elle en a marre de la bienséance, de toujours bien se comporter. Notamment avec les hommes, parce qu'elle en a eu pas mal dans sa vie. Elle veut s'affranchir de tout ça. Mais ils vont continuer d'évoluer. Et tout ça sous les yeux des téléspectateurs bien sûr.